Voilà, effectivement, au dernier match, on va dire que la pression était clairement sur moi. Si je perds ce match-là, ben on est à 3-3 et je pense qu'au niveau des 7, on n'est pas positif du tout. Donc, il fallait clairement la victoire. Le match, je pense que je démarre bien, je fais un bon premier set, je commence bien le deuxième. Pour finir, ben, j'arrive à le gratter aussi quand même. Heureusement que je vais le chercher. Et dans le troisième, c'est serré. J'ai une balle de match. Pour finir, je ne la concrétise pas. Et derrière, il revient 2-1. Donc, quatrième set très, très tendu de deux côtés, je pense. Et pour finir, ça se finit bien. Et je pense qu'il était temps que ça se termine là dans le quatrième parce que les cinquièmes allaient s'annoncer très dur. Il y a tellement peu de choses entre l'équipe de la Villette et la nôtre qu'on est déçu, bien évidemment. C'est logique. Mais c'est pas ici qu'on perd le match. Ici, les joueurs ont été grands, ils ont été très bien. C'est à la Villette où on fait 3-3. On a une opportunité de gagner 4-2. On mène 8-3 la veille et on n'arrive pas à conclure. Je ne veux pas mettre la pression ni aucun reproche sur nos joueurs, c'est pas ça du tout. Mais voilà. Le championnat était un petit peu à cette image-là. Il nous manque un tout petit quelque chose pour arriver à se maintenir sans trop de soucis. Donc c'est vraiment pour ça qu'on est déçus. Forcément on est déçus parce que d'abord on est des compétiteurs, mais on se rend compte que les gens apprécient le spectacle qu'on leur donne. Et le système de play-off et de play-down tel qu'on le dispute actuellement est très intéressant. On joue des matchs à notre niveau et ça le public aime bien. Il aime surtout de se rallier une course et en fait ça on a des gars qui sont battus aujourd'hui. Donc moi je dirais globalement je suis vraiment content de l'équipe. Je suis malheureux, on descend. Et c'est peut-être maintenant que les problèmes vont commencer parce qu'on va se retrouver en Premier National avec deux équipes et on n'a pas le noyau. Donc il va falloir qu'à partir dès demain, je me mette à la recherche. De nouveau, je ne vais pas dire que je lance un appel ici, mais il va falloir qu'on trouve des solutions, ça c'est clair.